Bonjour les amis, nous voici aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de gameplay sur Assassin's Creed Black Flag. Troisième épisode si je ne me trompe pas. Bonjour, et donc Duncan, nous allons retrouver notre ami le balafré. Oh super, le pop-up des bonjour, petites madames. Ah ok, bonjour la bourde, il vient de m'appeler Edward. Ouais, le reste de ton sucre. Il vous a appelé Edward. Oui, il m'a appelé c'est Edward. C'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. C'est un gros boulet. Ah, ingénieux. Ah ah, ingénieux, ouais. On a réussi à faire passer ça, c'est plus parfait. Tard. Plus tard. Vous êtes ponctuel, Duncan. Par ici. Oui, je suis plutôt ponctuel. Le voilà. Ok. Donc là, on se balade avec les Templiers. Les assassins ont cherché pendant plus de 10 ans. Mm-hmm. Il paraît que vous vous appelez Roberts. C'est juste ? Oui, je m'appelle Roberts. Je fais ma voix hyper sensuelle. Barry White n'a qu'à bien se tenir, les amis. C'est cool. Vous l'avez certainement remarqué d'ailleurs, le son de ma voix n'est plus tout à fait le même. J'ai enfin changé de micro, fini l'utilisation du micro intégré à mon casque. J'ai opté pour un Bird UM1, donc sur Amazon, il est en vente à 59€ au lieu de 69 si je ne m'abuse. Pour les membres premium dont je fais partie. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur? Mais bon, je... Allez, tous mes épisodes maintenant vont être tournés avec ce micro, cela va de soi, mais j'ai déjà tourné quelques épisodes d'Assassin's Creed 4 Black Flag avec mon ancien micro. Si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir le 5, le 6, le 7, le 11, ils sont déjà tournés avec ma voix et déjà encodés, donc... ça va être un peu compliqué de tout réencoder, etc. Puis surtout, ça va coûter plutôt cher en électricité, puisque l'encodage fait tourner le PC oui, à fond. Je l'espère. Et c'est plutôt embêtant. Cet itinéraire ne me plaît pas. J'ai une saloperie d'avion qui passe dans le ciel. Désolé, les amis. C'est la vie. Voilà ce que c'est d'habiter près d'un aéroport. Protégez-le à tout prix. Alors, donc, nous nous baladons avec les Templiers. Nous devons protéger notre ami là-bas. Ok, les assassins arrivent. Du coup, on va devoir les dégommer. Voilà, parfait. Okay. Bam, un petit coup de pied dans ta tête, salopard. Ok, on les suit. Ah. Oh, oh, oh. Ah oui, mais là, je me bats avec mes petites... Attendez. Oh, oh, ça fait mal ça, dans l'oreille, aïe. Petit assassinat, tranquille. Ok, il s'enlève. Il y a toujours le bug. Regardez, là il est devant moi, mais le curseur de visée, il est sur la droite quoi. Alors attendez, on va essayer d'aller chercher. Ah, ou pas. Aïe, là je me prends des coups. Percer défense. Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah ok, il vient de me tuer le bâtard. Oh non, je suis pas mort. Ah bah si, je suis mort en fait. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. Bon, sauvegarde, on va retenter hein. Nous allons tâcher d'être un peu plus, comment dire, efficace. Hein, tant qu'à faire. Ok, toi t'es mort. On a pris les épées, ce sera peut-être un peu plus efficace que les lames d'assassin. Nous n'allons pas commettre d'assassinat, mais bien de la bataille sanglante. C'est soit que j'ai regardé Game of Thrones hier. Je vais pas vous spoiler le deuxième épisode, évidemment, de la saison 7 de Game of Thrones, mais si vous l'avez pas encore regardé, regardez-le. J'adore cette série. Ok, alors... Mais allez. Ok, ah voilà, en fait. Voilà. Ils meurent tous, mais pourtant ils assistent. Ok. Il y en a à l'état. Voilà. Allez. Allez, on est fini. Boum, boum. Aïe, ça fait mal. Oh. Léonor Torres, il a plus beaucoup de vie là. Toi, t'es mort. Protéger le sage. Protéger le sage, ouais, ok. Il est où Torres? Bordel de cul. Allez, ici toi. Hop, hop, hop.
Parfait. Ah, il a l'air méchant lui. Hop, bah il était méchant. Alors, on avance, on avance. Ah ah, nous avons réussi à passer. Parfait. Ah ouais. Ok. Ah, oh les salauds. Oh. Et ouh, la hache. Le jet de hache, ça fait mal. Hein. Ok, arrêtez-le. Donc je dois quoi? Je dois courir. Oh là là là. Allez, bah on court. Hein. De toute façon, pas le choix. Hein. Ok, carrément monté. Purée. Bah, je me connais, hein, je vais encore rater comme un boulet, évidemment. Mais oh, mais non, je voulais pas aller là. Arrête-toi, t'es en train de te fatiguer pour rien. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Après, on se demande pourquoi il pleut tout le temps en Belgique. Hein. Si je chante à chaque occasion, c'est normal qu'il pleuve. Allez. Il vient de lui dire reviens, je vais te briser les genoux quand même. Tu crois vraiment que c'est la bonne attitude à avoir si tu veux que quelqu'un revienne? Lui dire tu vas lui briser les genoux. Ok. C'est pas top quoi. Hein? Moi je dis ça, j'y rien. Non, mais c'est vrai, je devrais rien dire en fait. Hein. Et on n'arrive pas à le rattraper ce bâtard. Allez, allez. Hop. Mais je vais le purer. Hop. Oh là là, c'est. Je suis niqué. Eh ouais, rapprochez-vous. Je l'ai dit, je vais le rater, je le sens. Ah ouais. Il est vachement loin. Il s'est échappé, il s'échappe, il s'échappe. Ah ah ah, ah je me rapproche. J'ai mes rap. Ah ouais, mais non, là je suis niqué. Ouais, je suis niqué. Ah purée, je suis bien niqué là. Eh, je l'avais prédit, hein, je vais devoir recommencer cette mission. J'espère que je dois pas me retaper tous les combats. Ah non, ça va, c'est bon, je vais juste le capturer. C'est bon, c'est bon. C'est pas si bon que ça. Il faut le reconnaître. Ah ouais, en fait, il est monté si vite grâce au mécanisme. Là. Il a cassé une corde, je pense, et puis il est monté super vite grâce au contrepoids. Ah, là, on est déjà un peu plus proche que tout à l'heure. On évite, voilà, de tomber dans la cachette. Arrête-toi, t'es en train de te fatiguer pour rien. Lui, là. C'est bon, ça. Allez, allez. Hop. Hop, allez, allez. Oui. J'ai capturé le sage. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Conduisez-le en prison. Eh bien, le moins qu'on puisse. Moi, j'aurais dit tripler la garde, mais bon. Si, pris en souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter. La suite des opérations. Et te barrer vers l'Angleterre, c'est ça? Que la mer vous soit indulgente. Que la mer vous soit indulgente. Oh. Avec la bénédiction, ne manquerait un roi de surcroît. Adios. Adios. Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement. Ah ah, de l'argent. Donne-moi ça, donne-moi ça. Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain. Venez vers ok. Midi. Bien, monsieur. Donc, à midi, interrogatoire du sage. Nous allons voir comment ça va se passer. Mission accomplie. 80%. Plaqué de sage et puis nos heures n'auront utilisé le pistolet au combat. Eh bien, non. Nous n'avons que 80%. Très bien. Eh, 4500 reales, hein, là. Ça commence à être sympa. Alors, donc nous sommes à La Havane. Nous irions bien fumer un bon cigare. Quoique, ce sont les catins qui fument les cigares. Les coquines. Comprendra qui pourra. Elles aiment les gros cigares, il faut pas oublier. Alors, mais non, mais je veux pas faire ça, moi. Voilà, interagir, parfait. Ah, j'ai une mouche qui m'énerve. Alors, contrat. Contrat d'assassin, commandant espagnol. On l'accepte ou on le refuse, les amis? Allez. Le petit pigeon, il s'envole. Ok. Il se trouve par là. Très bien. 52 mètres. Ça va, c'est à côté. Bon, là, je m'éloigne.
Pourquoi ? Parce que je préfère aller par la rue. Ah ah. On va prendre un peu de hauteur, je pense. Les gardes espagnols. Oh, ils se trouvent dans l'enceinte qui est juste là. Ah ben voilà. Voilà mon point d'entrée. Alors. Ok, il est là. Et je l'ai vu. Je vais la tuer. Ah, j'adore faire le rire avec ce micro. Ça me donne une voix tellement virile. Ok, ils m'ont vu. Oh. Ok. Allez, on va tenter de se les faire. Oh là là, ça va être difficile là. Ah ouais, ouais, ça va être un peu compliqué. Oh oui, ça va être vachement compliqué. Ils sont tous. Oh là 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 là, j'ai toute l'armée espagnole sur moi là. Ouais, ça y est, je vais recommencer, je suis sûr. Ah, quoique. On va essayer de le tuer. Non. Allez, je suis bloqué dans le décor. Ah, oh le salaud, il m'a. Vous avez vu ce qu'il m'a contré comme attaque? Oh là là. Ah ouais, là, je vais mourir. Oh non. Ah ah. Allez, allez, Faco. Ah bah non. Bon, c'est comme souvent, il faut que je m'y reprenne à deux fois pour y arriver. Puisque j'ai du skill légendaire, ne l'oubliez pas. Chers amis. Chers amis plutôt, puisque vous êtes plusieurs quand même maintenant. Hein. Eh, on est bientôt à 60 abonnés là, ça rigole plus, hein. Ça rigole plus. En tout cas, je vous remercie évidemment de m'être fidèle. C'est vraiment très très gentil à vous. Mais du coup, allez, j'aime ce que je fais, quoi. C'est un passe-temps, bien entendu. Parce que bon, à côté, j'ai un travail, j'ai une vie de famille, donc. C'est pas toujours évident. Allez, viens ici, toi. Voilà, comme ça tu m'emmerdes plus, tu vas pas déclencher l'alarme, espèce de bâtard. Allez, et vu que t'es mort, j'en profite pour te prendre quelques riales. 25, c'est cool. Alors. Ah, là je peux assassiner les gens là. Oh, ils sont 3 quand même. Ah non, ils sont 2. Hop. Allez, allez. Oh, ils sont morts. Viens ici, toi. Hop, et voilà, 1000 reales, plus le bonus de discrétion, 500, c'est cool. On lui fait les poches, comme d'hab. Oh, il n'avait que 13 reales sur lui. Ah, mais il avait des munitions et tout, c'est cool. Alors, 12 reales, et là, sur l'autre, 11 reales, c'est parfait. On aura fait un peu d'argent, allez, viens ici, toi. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais te tuer. Hop, oh, tu es morto. C'est balotto. Ah, là par contre, ils sont tous à ma recherche. Courons, les amis, courons! Courons, courons vers d'autres horizons. Bon. Je pense pas faire The Voice ou quelque chose comme ça. On va peut-être éviter. Alors là, on attend que la situation se calme. Bah oui, mais c'est. Bah oui, bah non. Bah non. Ouais, ça va pas du tout. Les pochetrons là. Quelle bande de pochetrons, ces gars. Bon, par contre, j'aimerais que la jauge elle redevienne verte là. Que je puisse m'en aller parce que. Ah. Ah, bah c'est bon. Il me cherche plus. C'est parfait. Ah, je les tuerais bien, mais non. Allez, on va se diriger vers le point de la mission là-bas. Je sais pas si vous le voyez sur la carte là, droit devant. Quoique, là-bas, vous voyez l'espèce de tour là. Ça va débloquer le panorama. On ira peut-être plus tard. On ira peut-être plus tard. Bon. Là, je suis toujours pas doué hein, pour monter sur les murs et tout. Alors je ne sais pas si les gameplays d'Assassin's Creed vous intéressent. Alors, j'imagine que oui. Si ça vous tente que je fasse l'Assassin's Creed Syndicate après celui-ci, ben je suis chaud. C'est le seul auquel je n'ai pas joué. Je me suis procuré, donc il est dans ma bibliothèque Uplay. Donc si ça vous tente que je le fasse, pas de problème, je pourrais le faire. Alors nous allons lancer la séquence avec notre ami.
1000 reales pour ces satanées cartes. Ça fait quoi? 100 livres, pas une de plus. Qui peut espérer s'enrichir dans un monde à la solde d'un misérable avare comme Torres? Avez-vous déjà travaillé dans une plantation? Tu sais à quoi je pense? Non, jamais. Je voudrais bien voir cet observatoire dont le gouverneur parle sans cesse. Il a dit que c'était une sorte de machine capable de suivre les gens et de savoir où ils sont. Ah. Une idée grotesque. Imaginez ma vie si ma femme disposait d'un tel avantage. Et toi, imagine la valeur d'une telle chose. Si je trouve le bon acheteur, je serai le plus riche des pirates. Des corsaires, oui. Des Caraïbes. Ah ben oui, puisque tard, lui, Bonnet. Il ne sait pas que... Bonnet ne sait pas que je suis un pirate, évidemment. Oui, enfin, le sage, c'est à midi, normalement. Sauf que là, du coup, on va y aller en pleine nuit. Ok. Genre en mode... En mode conversation privée, les amis. On va peut-être... le délivrer, puisque l'autre Torres ne nous a pas payé correctement. Alors, objectif optionnel. Ne prenez pas part au combat et tuez les gardes depuis... j'ai pas eu le temps de voir, mais je crois depuis les fourrés ou quelque chose comme ça. Enfin, depuis les cachettes. Ah, oh, il me voit. Il me voit plus. Récite-toi. Allez. Byton. Enfin, Byton, ça veut dire dehors, donc... pas dehors. On lui fait les poches. Hein, regardez, de l'autre côté, il y a deux... Ah ouais, non, ils sont... J'allais dire, ils ont le dos tourné. Il y a au moins 3 ou 4 gardes et ils ne me voient absolument pas. Je trouvais ça quand même un peu fort de café, mais bon. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. La vie avec tous ses ennuis. J'invente des chansons. Alors, va-t-on le tuer, celui-là? Bah, il y a un coffre, hein. Il y a un coffre. Hop. Allez, viens ici, mon ami. Je veux avoir mon objectif bonus. Bonus, c'est une question de bon sens. Boum. Vous l'entendez? Il crie. Et l'autre, il passe à côté. Il l'a pas entendu. Voilà. Allez, ouhou, viens ici. Viens ici, regarde. Viens, tu vas mourir. Viens, ouh. Allez. T'entends siffler? Oh, mais tu es morto. C'est ballot, tu es morto. Et je te fais les pochos. Oh, 8 reales. Voilà, ça y est, il a utilisé tous ses reales pour aller chez les prostituées, je suis sûr. Allez, kaboum. Faut monter, il faut aller là-bas. La zone verte. Localiser le gardien. Très bien. Donc il faut qu'on trouve quelqu'un avec une clé, j'imagine. Alors lui. Il va voir dans les fourrés là-bas. On va pouvoir avancer incessamment sous peu. C'est parfait. Alors sifflement. Depuis une cachette, un coin ou une zone de traque, appuie sur B pour siffler et attirer un ennemi. Non, sérieux, j'étais pas du tout au courant. Donc la clé est juste là, sur ce type, avec la lanterne. Ok. Il va falloir qu'on ait le tué, là. Allez, viens ici, mon ami. T'as entendu, là? Allez. Ah, tu m'as entendu. Viens ici. Oh, está muerto. Voilà. Allez, hop. Ouais, oh. Tu m'as découvert, mais moi, je voulais pas que tu me découvres. Que tu me découvres, méchant. T'es un méchant, j'y suis un gentil, pas très gentil, alto. Mais c'est pas grave. Oh, alto. Oh, oh, il a sauté. Aki. Aïe. Allez, tiens. Meurs. Ça, c'est ballot. T'avais qu'à aller tirer la sonnette d'alarme, au moins t'aurais une chance. Parce que en 1v1, tu peux pas grand chose, mec. Tout n'est pas assez fort. Alors. Ah oui, il y a pas mal de monde ici. Hein. Allez, viens ici. Hop. T'es muerto. Viens dans les feuillages, mon coquin. On va faire des trucs louches tous les deux. Bonjour. Je m'appelle Kenway. Et j'aime faire des trucs
dans les herbes hautes. Ça, c'était la voix de gros pervers, évidemment. Vous en êtes rendu compte. Bien sûr que vous en êtes rendu compte. Allez, nous allons courir de l'autre côté. Ah, mais que j'y pense. Maintenant que j'ai un nouveau micro, vous allez encore plus entendre mon accent pourri. Ça, c'est bête pour moi, évidemment. L'accent liégeois, hein. Ah là là. Et le premier qui me sort... Comme le bouchon de Liège. Oui, Liège avec C-H-E, hein, non pas Liège avec G-E, bien évidemment. Hein, c'est Liège, hein, c'est pas Liège. Bien sûr. Tout liégeois, digne de ce nom, le sait. Cela va de soi. Bon, je la tire ou je la tire pas, lui? Viens ici. Non, non. Donc ça, 110 mètres, droit devant. Ah, il m'a entendu. Viens ici, copain, copain. Copain. Hop. Ouf, ils ne m'ont pas vu. Enfin, presque pas vu. On lui fait les poches au KLM, comme diraient les Jones de nos jours. Ouhou, oui. C'est un peu loin, là, quand même. Hein. Oui, un peu loin, un peu loin. Je suis caché, la la la. Ah là là. Allez. Faut qu'on avance, hein. Et en fait, je cherche les solutions. Moi, pas être très malin. Ou moi, pas très malin être. C'est à vous de voir. J'essaie de voir un petit peu. Hop, voilà, parfait. Les solutions pour passer sans me faire repérer. Parce que... Oh, bah oui, évidemment, là. Oh, oh. Et ils sont un peu beaucoup, quand même. Oh, courant. Courant, les amis. Je vais me cacher dans les fougères, ils vont pas me voir. Regardez. Oh, ils deviennent jaunes. Ah, mais si ça vous suit. Yala! Allez. Ah, là, ils m'ont pas vu, par contre. Normalement. Oh, mais ils savent que je suis là. Tiens, tu meurs. Tiens, toi aussi. Et toi aussi? Ah non, non, oh, non. Oh, oh là là, mais... Allez, voilà, les épées, c'est mieux. Ah ben oui, forcément. Et voilà, moi, je te pars. Yes, oui, Drouvour. Ah ben, c'est déjà fini. Ils sont même pas venus tous. Oh là, c'est nul, hein. Franchement, c'est nul. Bon. Allez. Avançons, avançons, avançons. On, on. Donc, on en a tué combien, là? Donc, celui-là du coin, 1, plus les 3 là, donc 4. On va pouvoir passer, là, maintenant. Oui, maintenant, maintenant. Pas maintenant, c'est maintenant. M-I-N-E-N-T. Maintenant. Allez, hop. Lui, il est mort. Il est mort une fois. Eh oui, parce que tout chaque Français... chaque Français, évidemment, imitant l'accent belge, rajoute une fois à la fin de chaque phrase. Hein. Il est mort une fois. Bon. Juste un petit truc, le une fois ne se dit que très peu. Et encore, ça se dit uniquement... sur la région bruxelloise. Ah, oh, tiens, il y a des morts. Je vois des morts partout. Et donc ça se dit qu'en région bruxelloise, et encore, c'est pas très répandu. Hein, quoi. Enfin, quoique, les bons bruxellaires, là. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que se passe? Je suis une méchante. Je suis une gentille. Oh. Oh, mais les salauds. Pourquoi ils sont venus là? Ils pensent que j'ai tué tout le monde ou quoi? Quel est ton vrai nom, Vaurien? Ah, zut. C'est... Capitaine va au diable. Capitaine va au diable. Eh ouais, capitaine va au diable. Où est le sage? Est-ce toi qui paysan, je t'en fous, moi, des paysans. J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Ah, merde. Ils vont m'envoyer à Séville, c'est pas cool, ça. Vous êtes donné tout vos trésors, non? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobé Duncan Walpole. Mais oui, bah écoute, je suis... Je suis meilleur que Duncan Walpole, hein.
Bon, ne prenez pas part au combat, on va dire que c'est un peu raté, donc j'ai 90%, j'ai pas 100%. Bon, bah ma foi. Ah. Ah ok, donc là c'est retour en arrière du coup avec ma femme et mon beau-père. Incapable de vivre sur terre et encore moins en mer. S'il part dans les Caraïbes, c'est toi qui souffriras. Père. 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 Père, mais moi je l'aime. J'aime. Que mes formes touchent son corps. Il se trompe sur moi. Je l'espère bien. Il était morceau encore. Tu m'imagines pas sur le pont d'un immense navire qui entre fièrement au port. Ouais, si, moi je t'imagine, Duncan. Et moi, je serai un homme respecté. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas encore vraiment de bateau. Encore moins immense. Nous ne sommes pas riches. Et nous sommes maintenant emprisonnés. Ah tiens, ouais, super, là. La fenêtre toute noire. Bug or not bug, that is the question, hein. Ouais, ouais, that is the question. Sauvegarde, que va-t-il se passer? Ah, nous sommes prisonniers. Super le repas. Ah ouais, donc il veut que je mange et vite en plus, le bâtard. Tu as faim? Il croit quoi que c'est Noël? Ah. Ok, ah, donc attends. On nous a piqué notre équipement, mais par contre les Riales on les a toujours. Hein. Nous avons toujours 6628 Riales. Ok, donc ça fait 600 livres à peu près, 660 livres. Parce que 1000 réalis s'équivalent à 100 livres. Retrouvez mon arme et voler le navire. Aha. Tant pis pour eux. Bam. Est-ce qu'on peut ramasser l'arme? Mon Dieu, la mer est grosse aujourd'hui. Ah ouais. Un ouragan approche. Un ouragan. Ah ok, super. Mon Dieu. Un ouragan. Ça fait plaisir. Boum, tiens, crève, salaud. Couteau de lancer, ok, j'ai rien du tout. Bam, toi aussi crève, connard. Récupérez votre équipement. Ah, lui, il a rien entendu, ok. Ah, mince. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai rien, en fait. J'ai pas d'armes. Ok, et je vais crever là en fait. Mais je peux pas parer, j'ai pas d'arme, je fais comment moi? Ah, percer défense, mais mort. Ah ah ah. Ben voilà comment on fait en fait. Tiens, et tu sais quoi? Je vais peut-être donner un coup de pied après. Voilà. Ah, et mon pote Black là, il a défoncé l'autre garde. C'est cool. Oh, il est muerto. Ah, ok. Donc j'utilise l'arme une fois et puis je dois la lâcher. D'accord. Ramasser corps. Mais non, je vais pas ramasser le corps. Hein. Casse-toi. Je vais ramasser l'arme. Voilà. Allez. Mais oh. Oui, quelquefois les contrôles sont un peu comment dire, brouillons. Ou alors c'est moi qui suis vraiment pas très doué. Il y a encore un garde. Pardon, il y avait encore un garde. Mais bon, j'ai une épée. Donc. Ça devrait aller. Ah, je n'ai plus d'épée. Ok. Ah ouais, super. Ok, regardez, magnifique bug. Il a la tête dans le. Il a la tête dans le bateau, dans le bois là. Allez. Ramasser armes. On le fouille, vu que l'autre on va pas pouvoir. Et pourquoi je ramasse ce foutu corps, bordel? En fait, je suis con, mes armes elles étaient là. Parfait. Allez, prends ce qui mon pistolet, mes petites lames de poignet et surtout mes épées. Oh, bon, on va prendre ça en plus, regardez. Yeah. Les prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Libère-les et crois-moi, ils viendront avec nous. Ok. Donc sur ces navires, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ah oui, en effet, il n'y a pas qu'un navire. Voler un navire rapide. Ok. Il y a un brick dans cette flotte, je vais le trouver.
Allez, viens ici, toi. Par-dessus bord. C'est Balibalo dans son berceau, hein. Qui... déjà comme un taureau. Et par... Non, je vais pas continuer parce que après on va être striké par YouTube, tout ça, hein, quand on chante des chansons de paillard. Allez, bon. Que doit-on faire? Du coup, prisonnier libéré, 0 sur 18, recruter des pirates. Ok. Bon, on va se battre un petit peu ou quoi? Allez, hop. Ah, il y a du monde qui arrive. Oh bah ça, il est déjà mort lui. Oh bah lui aussi, easy. Ah mais ils sont nuls en fait, les soldats espagnols là. Oh, oh, et oh, tu me laisses... Ah oh, super bug. C'est cool que tu me laisses fouiller tes potes tranquille toi. Oh là là, et il était pas mort lui. Allez, casse-toi. Hop, non, non, tu m'auras pas par derrière, trop de bite. Voilà. Et je là. Et voilà comment qu'on tue les méchants. Où qui sont les mes copains gentils? Je suis un gentil, je vais tuer le méchant. Ah bah ok, petit coup de pied, bah, et, ok. Je vais le jeter par-dessus bord. Bon, on les libère. Avec moi. Je t'accompagnerai en enfer, mon ami. Très bien. Donc nous avons déjà quelques membres, combien? Ouais, 9 sur 18, bon ça. Très bien. Un bateau suivant. On va aller sur celui en face, je pense. Bon, on va essayer, parce que bon, vous connaissez mon skill, hein. Aïe là, ah mince, j'ai raté mon... Ah ouais, ok. Monsieur lui a pris un coup de hache, au calme. Tiens, crève, t'as qu'à pas tomber à terre. Hop, voilà, voilà. Il me restera le gros. Ah ouais, ah ouais, il arrête mon épée. Ouh, la hache, ça fait mal. Una grenada! Tiens, mora. Je ne parle pas espagnol. Mais grenada, je sais que ça veut dire grenade. Ah. Oh ben. Ah non, c'est pas si simple. Ah ben, quoi que. Kaboum, hein. Où qui sont mes copains? Mes futurs copains? Zoup là. Et voilà. 3 de plus alors ici. Nous allons être à 12 sur 18. Allez les gars. Eh mais attendez, on va réquisitionner un bateau. On va réquisitionner le bateau. Ça c'est cool. Allez. Hop. Prochain navire. C'est parti mon kiki. Youhou. Ah il m'a pas vu lui. Ah bah attendez. Lui non plus. Ah si. Oh il a eu le temps de dégainer. Ah. Il est rapide avec sa belle perruque là. Alors lui par contre c'est un gros. Ah, on a réussi à percer sa défense. Parfait. T'es gros, t'es fort mais t'es pas rapide. T'es gros, t'es fort, tu sors le roquefort, c'est ça? Allez, on le fouille. Il a peut-être un peu d'argent. Ouais, 15 riales, c'est de la merde. Preparos la partir. Un prisioneros. Ouais, c'est ça. On va les laisser les noyer et puis quoi encore? Jamais de la vie. C'est mes copains à moi, ok? Tu les touches pas mes copains. Ils sont gentils mes copains. Car, hop. Deux de plus, donc nous sommes à combien là? On va être à 14 je pense, on va voir ça. Et on peut pas passer, hein. Cette animation si chiant. Ouais, 14 sur 18. Allez, c'était pas obligatoire de passer par là, mais j'ai envie d'un peu d'action. Allez, hop, vous avez vu comment on les tue facilement. Notre personnage commence à devenir un peu fort quand même. Il commence à plutôt bien manier l'épée, le saligo. Bon, par contre, pour devenir riche... Ah, ouais, ok. Voilà, c'est pas comme ça que je vais monter. Pour devenir riche, il faudra voler plus que des 12 reales sur chaque corps. Hein. Moi, j'oublie. Bon. Par où que je vais passer? Par là-dessus? Eh bien, nous allons tenter de monter. Oh, ouais, matelot.
Matelot navigue sur les flots. Ok, hey, franchement, faut pas avoir peur, hein. Ouh, ouais, non, clairement, faut pas avoir peur. Alors, ok, c'est pas ça que je vais faire, mais pourquoi pas après tout. Et vous imaginez, là, il tire à ce moment-là, boum, un coup de canon. Coup de canon dans les dents, hop, tu le racontes plus. Cerès, mon futur bateau. T'es mort. Allez, hop. Non, tu ne mourras pas. Et toi, toi t'attends. Ton pote attaque et toi t'attends. Ouais, pourquoi pas, après tout. Voilà, bon allez, il me manque encore 4 membres d'équipage. Le bateau d'à côté, ouais, il me semble qu'il y a de l'équipage dessus. Ouais, c'est ça, le gros bateau. Les autres sont déjà en train d'attendre en plein milieu, au lieu de venir m'aider, hein, ces bâtards. Allez, on va prendre la petite échelle. Ou pas. Voilà. Petite échelle. Ouais, non, j'aime bien la difficulté. Oh là là, putain. Je suis un boulet, mais je le reconnais. Donc c'est faute à moitié pardonner. Non, faute avouée à moitié pardonner. Voilà, j'arrive enfin à monter. Bravo, Faco, bravo. T'es trop fort. Ah, il me voit, il me voit, il me voit plus, il me voit, il me voit plus. Ah, il me voit. Et il me voit plus parce qu'il a reçu un coup de... Bah, il est mort. Aouh, mais d'eau. Aïe. Pourquoi j'appuie pas sur le bouton quand il faut... Ah ben voilà, ça c'est mieux. Allez, casse-toi. Bon, Mais pourquoi tu me fais ça? Bah, tu avais dit comment j'aurais Knacky. Non, je ne suis pas sponsorisé par Knacky. Pas du tout. C'est juste que la petite fille de la pub... Oh, il m'a raté le con. Ah, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Le type, il a volé tout seul. Je l'ai pas tapé, mais il a volé. Voilà. Encore un petit bug du jeu. Tranquille, tranquille. Mais ils sont où? Ah, ils sont en bas. Ça clignote. Ah ouais, ouais, ouais. Hop. Voilà. Nous descendons, n'est-ce pas? Nous allons sauver nos derniers camarades. Chargement. Ah, s'il était installé sur SSD, je gagnerais quelques secondes, hein, mais bon. Allez, un momento. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Aïe. Ton pote il est muerto. Ah ouais, ton pote il est muerto. Donc un momento, je vais te faire muerto aussi bientôt. Allez, viens ici. Kaboum. Bon, où qui sont mes copains? Mes futurs copains, ils sont où? Ah ah. Clam, boum. Ah mais il y en a suffisamment là. Ils sont combien là? Ils sont au moins 7-8, hein. On va grimper sur le pont. Tenez-vous prêts. Oui, tenez-vous prêts les amis. Parce qu'on va aller prendre notre brique. Hey, hey. On va enfin avoir un bateau. J'ai fait un bateau, moi, pour mon anniversaire. Ou pas. Alors. Où que c'est qu'on sort? Oh, le trésor. Où que c'est qu'on sort, les amis? C'est par ici. Non, c'est pas par là. Mais bordel, elle est où la sortie, sa mère? Ah là, voilà. Genre, il y a deux échelles et je suis obligé de prendre celle-là, quoi. Oh, bah c'est bon. Tuer le capitaine. Kill the captain. Ok. Yalla! Ah, serait-ce notre futur bateau? Il y a des canons. Que Dieu nous vienne en aide, l'ouragan nous réduira je sais pas quoi, à zéro je crois. Oh, le capitaine, il veut me tirer dessus, salaud. Ah, il est fort. Ah, il m'a donné un coup de poing. Deux coups de poing. Oh, trois coups de poing. Non mais oh. Tu crois vraiment que c'est Noël? Allez, moi je te donne un coup de pied dans les boules. Boum, et crac. Eh ouais. Voilà ce qu'on fait, moi. Tous à bord, les gars! Allez, venez à bord, les amis! Gardez vos chansons pour Neptune, sac à main! La tempête vient sur nous! Vous pouvez le croire! Vous là, levez l'ancre!
Les autres, la moitié aux mains de misaine et l'autre au grand mât. On va mettre cet ouragan derrière nous. Donc nous venons de voler un bateau. Garde un œil sur ces galions. Ils ne doivent pas nous attaquer. Comment? Aux Espagnols. Ils sont bien roulants pour ce temps. Ah. Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. Échapper à la flotte. Les hommes connaissent la mer. On va s'en sortir. Ouais, ils sont en train de m'attaquer, les bâtards. Boum. Il va disparaître. Kaboum. Ouais, ça va, c'est presque aucun dégât, c'est bon. Il tire sur nous. Allez, échappons à la flotte. Boum. Eh ouais. Voilà ce que je fais. Salve ennemi. Il tire sur nous. Ils nous ont touchés. Aïe, ah ouais, et j'ai déjà perdu la partie de... Oh, oh, vous avez vu ça? Il y a l'éclair qui a niqué le bateau. Ouais. Alors les vagues accélérates peuvent endommager gravement. Ennemi, c'est feu. Oh. La mer est... un peu agitée. Oh, on n'a pas pris de dégâts. Nickel, on l'a pris de face. Parfait. Allez, on continue. 1500 mètres. Une trombe. Ah, 1550. Ah, une trombe. Ok, tornade quoi. Garde tes distances. Ouais. Ah oui, elle est là. Aïe. S'ils nous touchent de nouveau, on va couler. Oh, sa mère, elle m'a niqué. Regardez, elle m'a piqué deux. Une trombe. Deux carrés complets. Il me reste presque rien sur mon dernier. Comment, sur mon dernier carré de vie là. Voilà. On va essayer d'éviter ça les trombes. Mal. Ah ouais, maintiens, ça s'annonce mal, ouais. Carrément plus de vie. Maintiens le cap. Attention, ouais, ils sont marrants, eux. Attention, une tornade, bah oui, j'ai vu. Bon, allez, plus que 900 mètres. Je vois plus de tornade à l'horizon, les vagues ont l'air plus calmes. Quoique. Quoique, ouais, lame géante, ok. Oh là 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 là. Regardez à l'horizon ce qui se profile. Aïe. Est-ce qu'on va passer avec un carré complet? Un carré de vie. Non, pas un carré de chocolat. Ah ouh. Aïe. On la prend de face, donc normalement c'est bon. Ouais, c'est bon, nickel. Elle nous fait carrément dévier de notre direction, hein. Vous avez vu ça? On a carrément tourné à gauche après. Ah, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Oh. Non. Ah, on est passé à côté, c'est parfait. Allez, plus que 400 mètres. Plus que 400 mètres à faire. Ah, le temps se calme, les amis. Yes. Parfait. Allez, je pense qu'on va rejoindre notre itinéraire. Enfin, notre destination plutôt. On va plus trop traîner parce que du coup cette vidéo commence à faire un peu longue à mon avis. On va voir ce qu'il se passe et où on arrive. On va certainement avoir une petite vidéo. Bah oui. Si. Qui l'eût cru? À part l'eût-tu cru? Ah, il est salement amoché notre bateau. Qu'on vient d'échapper aux mâchoires de Neptune. Ah oui, en effet. Je m'appelle Edward. Parce que c'était un peu chaud. Edward Conway. Adewale. T'es déjà allé à Nassau, Adewale? Pas encore. Nassau. Ah. Regarde ça, il a vraiment souffert le martyr. Je crois que je vais le garder. Tous à l'arrière, les gars! On le ramène chez nous. Bon ça. Donc nous avons réquisitionné un bateau. Ok, les voiles sont complètement mortes.
Alors, libérer 23 pirates, parfait. Et tuer les gardes depuis un coin, bah, j'ai pas. Donc, mémoire à 90%. Ah, cool. Un succès débloqué. Ah, petite cinématique. On va voir ce qui se passe. J'ai fait mon choix, Adé. Il s'appelle Jackdaw. Un oiseau rusé que j'aime depuis mon enfance à Swansea. Une petite créature sombre, non? Ouais. Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer en côtoyant des gens au caractère aussi clair. Ah, d'accord. Bah oui, évidemment, il y a un petit aucun peu de ces hommes ne voudraient de toi pour comment capitaine. Dire un petit peu de racisme. Les Noirs à l'époque, c'était un peu chaud pour eux. De clarté. La place de quartier maître. Rien de moins. Ouais, ouais, c'est cool le quartier maître. Très bien. Et donc ce sera notre second en fait. As-tu un petit conseil pour ton jeune capitaine? Du repos et de quoi manger nous ferait du bien avant l'assaut. De l'eau douce à boire. Et trouver de quoi se nourrir et réparer. Bien raisonné, Adé, on va chasser, tu as raison. Puis on va chercher un endroit où mouiller. Ah oui, ou alors un endroit où faire mouiller des gens. J'ai cru voir quelques caisses dans la cale, de la poudre et des pistolets. Je vais pouvoir me fabriquer un deuxième étui. Yeah. C'est un bon début. Mais ça te fait rire? On devrait commencer par parler de l'état du navire. Quel est le problème? J'ai fait le tour du pont à feu ce matin. Et j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai vu. Les gens n'ont pas dû l'attaquer en fait. Crois-le ou non. Ah, ok. Une mèche brûlée encore. Bon Dieu. Et à côté, deux barils de poudre plus proches que Marie de sa femme. Ah, prêt ok. Prêt à sauter à la moindre étincelle. On va devoir rendre ça comme une fois. Ton canon. Autant les jeter par allez. Dessus bord. Des lumières Kaboum. À déboucher. De la rouille sur les fûts. Kaboum. Des rouillons si nus que des broches. Et hop là, on a détruit le navire, on récupère si un peu de rhum. Que je coulerai et parfait. Un bouton avec. En fait, Edward, comme ça on aura vu un petit du bon peu de combat naval. Hein. Et l'entretenir avec soin. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'on va s'arrêter ici. Si c'est le cas, bon, alors, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si bleu, comme d'habitude. Mais n'oublie pas à commenter la vidéo, moi j'adore papoter avec vous dans les commentaires. Éventuellement, à la partager. Ça fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures avec notre ami pirate. Allez, peace!